ça aussi, ce sont des démons. Oh Dieu, en tant que ton serviteur, je les réprime au nom de Jésus, qu'ils sortent de tous les malades. And may every unclean person got unclean thoughts, vulgar, lust, men and women alike, God take it out of them. Et que toute personne impure qui a des pensées impures, vulgaires, de la convoitise, les hommes et les femmes également, ô Dieu, fais sortir tout cela d'eux. All these are trying to get rid of cigarettes and little social drinks and little parties and selfish things. Tous ceux ici qui essayent de se débarrasser de la cigarette et du petit verre qu'ils prennent en société et de leurs petites fêtes et des choses égoïstes. God stimulate their heart with the Holy Ghost. In such a way that those things don't have any desire no more. It'll have no room, you're so full of the Holy Ghost. From now on. Oh Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit, à tel point qu'il n'y aura plus aucun désir de ces choses. Il n'y aura plus de place. Vous serez tellement remplis du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. God make this little church a burning bush. Make it a Holy Ghost place. Make it a burning fire. That the world might turn aside to see the glory of God. Oh Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Fais-en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais-en un feu ardent, afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. Oh Dieu, commence par cette petite poignée de gens, de 200 ou 300 personnes ici ce matin. Accorde le Seigneur. Purify every heart, every Methodist, every Baptist, every Catholic, every Presbyterian, every Pentecostal. Lord, take it out of their heart. And let them come to you today. Then it's hotter. Purifie chaque cœur, chaque méthodiste, chaque baptiste, chaque catholique, chaque presbytérien, chaque pentecôtiste. Seigneur, ôte tout cela de leur cœur et qu'ils viennent à toi aujourd'hui. Accorde le Père. I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls and the healing of their bodies. Je recommande leur être à toi et je te les confie au nom de Jésus-Christ pour la purification de leur âme et la guérison de leur corps. Amen. I wonder at the altar. Have you left your burden? You feel like it's laying there? Je me demande, à l'autel, y avez-vous laissé votre fardeau? Avez-vous le sentiment qu'ils ont été déposés là? If you feel it's laying there, you be the judge. You're the one that's praying. I've done the preaching, you're doing the praying. Si vous avez le sentiment qu'ils ont été déposés là, c'est à vous d'en juger. C'est vous qui priez. Moi, j'ai prêché. C'est à vous de prier. Is your burden left there, brother, sister? Can you really leave it there? If you can, raise your hand and say, yes, God, now I leave it here. My difference, I'll leave it at the altar. Est-ce que votre fardeau a été laissé là, frère, sœur? Pouvez-vous vraiment le laisser là? Si vous le pouvez, levez la main, dites « Oui, ô Dieu, maintenant je le laisse ici. Mon désaccord, je le laisserai ici à l'autel. » Qu'en est-il de vous au bout de l'autel, ici à ma droite, madame? Pouvez-vous le laisser là? While we all hang it together now. Pouvez-vous laisser ce vieux fardeau déposé là, dire « Oui, ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire », pendant que nous le chantons tous ensemble maintenant. Ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire. Ô Sauveur divin, écoute ma prière. Enlève toute ma culpabilité. Que je sois dès ce jour
à toi. Levons-nous très respectueusement tous. Now listen closely, everybody now. Although one leaves, that service is not finished. I want you to get this sacredness, this solemnity. Maintenant.